Elle est censée arriver à quelle heure, la nouvelle? D'après toi, c'est quoi son handicap? Bah, un fauteuil roulant, j'imagine. Oh non, j'espère que c'est pas ça. Attends, déjà qu'on n'a pas de place dans ce bureau. Ouf, l'handicap moteur, c'est que 16% des cas. Moins que les maladies psychiques. Tu vas voir qu'ils vont nous coller une psychotique. T'imagines l'horreur si on la contrarie? Tu m'écoutes? Mon ordinateur s'est bloqué. Laisse faire la pro. Jamais vu un truc pareil. Allez, avec un peu de chance, ça sera bigleuse ou sourdingue. Comme ça, au moins, on pourra continuer à papoter tranquille. En tout cas, pas question de bosser deux fois plus pour compenser sa lenteur et ses horaires adaptés. Y a pas marqué pigeon. On ne sait peut-être pas à quoi elle ressemblera, mais ça m'étonnerait qu'elle soit capable de réparer ton ordinateur. Bonjour, c'est bien ici, la compta? Sophie, enchantée. Yann et Nina. Oh. Bienvenue. Merci. C'était super lourd. Cool. Ils ont déjà installé ma session. On s'y met. Vous m'expliquez? Ça va être compliqué. Mon ordinateur est HS. Faut que j'appelle la maintenance. Mais tu sais ce que c'est. Ils seront jamais là avant midi. Tu permets. Laisse tomber. Même moi, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Et voilà. Hein? Mais dis donc, t'es super balèze, moi qui pensais qu'on allait avoir une collègue handicapée. La direction a dû nous faire une blague. C'est pas ce que je voulais dire. Ah non, je me fiche complètement de ton handicap. Enfin, non, ça me dérange pas du tout. Enfin, excuse-moi, je... Vous vous attendiez à quoi? Tout le monde a des préjugés. C'est pas grave. Moi, par exemple, j'avais peur de tomber sur des collègues médisants. Franchement, je suis bien contente de m'être trompée. Je crois qu'on a tous besoin d'un petit café. C'est ma tournée.